Julien, comment digérer cette fin de match compliquée contre Villefranche et on va dire 2 semaines après Concarneau, le scénario c'est un peu répété. Comment digérer ça? On va le digérer en récupérant les points à Orléans. Il faut vite passer à autre chose. On a la chance d'enchaîner Orléans, match en retard. Donc il faut vite switcher pour être concentré pour ce match. Orléans, c'est un match qui peut, en cas de victoire, vous permettre de devenir leader du championnat. C'est quelque chose d'important dans la préparation du match, hein, quelque chose qui vous motive de façon supplémentaire. Et bien sûr, ça doit être une motivation pour tous. Surtout vu le scénario du dernier match. Donc on a des points à récupérer et on se doit de se racheter par ça. Comment t'expliques ces buts en fin de match? C'est quoi? C'est de la manque de concentration? Ouais, c'est difficile à expliquer. Ouais, y a tout qui doit jouer, je pense. Ça doit être de la concentration aussi sur les fins de match. Parce qu'on donne beaucoup aussi pendant le match, donc il faut surtout être vigilant sur ces fins de match quand on mène au score. C'est quoi? Faut plus serrer les boulons derrière. Enfin, c'est Ouais, plus se serrer les coudes, éviter de se disperser, éviter de se disperser et rester bien solidaire et bien solide ensemble. retourner à Orléans un mois après l'incendie de la buvette, c'est quoi? C'est un peu bizarre en fait comme scénario de vous retrouver là-bas. Bah ouais, c'était assez spécial à vivre. Une buvette qui prend feu, le match qui s'arrête à la mi-temps. Donc ouais, maintenant on va le rejouer et je pense que ce match il tombe bien parce que vu le scénario du dernier match, on va enchaîner tout de suite et on va vite switcher pour ce match. Merci beaucoup, Julien. Merci.